j'avais 15 ans. Donc, c'est une chanson que j'ai bien joué, ça s'appelle Belle et Demi. Thank you.
remercier les Belgo Folies pour leur accueil. Vraiment bravo à eux. Merci à mon ingénieur du son Loïc Boas. Vraiment pas à nous retrouver sur le réseau, à écouter cette EP sur les plateformes. Et en parlant d'EP, j'en vends ce soir et la totalité des ventes sont distribuées à la Croix-Rouge.
arrivé ce soir de bien vous voir. Vous êtes chaud ou pas? Le Halloween dans votre ville, le truc, ça m'a jamais chauffé. Par contre, le petit cliché, tu sais, de Halloween dans les rues aux États-Unis, les enfants qui courent, ils sont stylés. Halloween, oui. Ils sont vraiment dans des costumes de dingue. Moi, quand je faisais Halloween, j'avais un drapeau, un fantôme. Eux, ils sont là, tout stylés, comme des petits bonbons. Enfin bref, voilà, je vous pose cette question parce que moi j'adore Halloween. C'est vrai que je suis triste de voir que ben, ça s'est perdu en fait ici. On fait plus vraiment ça, on va plus vraiment aux portes demander des bonbons. Et je trouve ça dommage. Du coup, dans la musique, j'avais envie de faire honneur à Halloween. Et la chanson qui suit justement, on l'a sortie en 2017 et c'était le premier son que je sortais pour Halloween. Je vais demander une dernière question à maman, j'ai son. Est-ce que si par exemple à un moment donné pendant le show je descends, je n'aurai pas la scène? Ok, ça va, il m'a dit je suis là pour toi donc. Yeah.
conscience qui me parle énormément. Genre, je sais pas si vous voulez que je parle de ça.